Regarde, viens. Il vient de sonner. Il vient de sonner. Ah bon, on va jamais filmer. Salut vous. Vous plaît. Alors évidemment. Bonjour. Ah ouais, Pierre Cross. Alors évidemment. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Adrien, un pote, et Marie, que vous connaissez déjà. Yeah. Aujourd'hui, on se retrouve pour un canular téléphonique. Yes. J'ai extrêmement peur, ça va être très gênant. Oui. Mais j'ai fait des guillis pendant la vidéo, oui. Tout va bien. Ah. Trop d'amis. Ils sont chiants, tes potes. Oui. Donc, on va chacun faire un gage téléphonique, donc on va appeler quelqu'un et faire un gage. Donc Adrien a choisi pour moi, j'ai choisi pour Marie et Marie a choisi pour Adrien. Yes. Oui. Et donc on va chacun réaliser un truc, j'ai extrêmement peur. Oui, moi aussi. Mmh. Donc Marie va commencer. Non. Bon bah Adrien. Adrien. Ouais. Honneur au mec. D'accord. Ok, c'est le seul mec. On est galante. Allez, sortie. Alors pour Adrien, il doit appeler sa cousine et faire genre il est complètement bourré. Mais à 15h l'après-midi. À 15h l'après-midi. Et il lui avoue qu'en fait il est totalement amoureux d'elle et qu'il sait que c'est compliqué parce qu'ils sont cousins et cousines. Oui, que voilà. On précise qu'il va appeler sa cousine, il doit lui déclarer sa flamme. Ouais, mais comme t'es bourré, ça passe. Voilà. T'as pas été bourré, ouais, c'est chaud, mais là, t'es bourré. Ok, c'est parti. Oh, j'ai peur. On rigole pas, non. Mets le son à fond. Bah, ça prend pas. Putain. Sur une blague. Sur une petite blague. Bienvenue sur la. Il appelle sa deuxième cousine. Ma deuxième cousine. On espère que la première répond pas. On espère qu'il va répondre. De mieux en mieux. Au final il appelle une pote parce que troisième essai. Voilà, troisième essai. Non mais ça c'est pas. Allô. Eh hey, salut Marine, ça va? Salut. Mais toi? Bah ça va tranquille. T'as mangé quoi ce matin? J'ai mangé quoi ce matin? Bah ouais. J'ai bu. Mais t'es sérieuse, putain. Oh bah moi. Pff. Moi j'ai pas arrêté de boire là, putain, je suis complètement défoncé. Je sais pas, on était avec des potes au bar et puis n'importe quoi, non mais je t'explique même pas le truc. T'es vraiment une grosse merde, je vais te dire à ta mère. Ah non, tu fermes ta gueule par contre. Non mais juste, en fait, comme je suis un peu bourré, je voulais en profiter pour te dire un truc. Quoi? Bah en fait, ça allait depuis un petit moment, je voulais te dire que je t'aimais. Ah oui, merde, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, tu sais, je suis bourré, enfin, c'est pas grave, hein. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, c'est juste un gage, hein. Cet homme n'a pas de vie. C'était un gage, on est désolé. C'était un putain de gage. C'est une blague. C'est que son copain, il a dû péter un câble, hein. On va briser un couple. Mon amie qui a une chaîne YouTube, et en fait, elle voulait faire un gage, et puis voilà, c'est tombé sur toi. Je te jure, c'est Coco Liner. Non, mais c'est bon. C'est trop gênant. Mais juste, envoie-moi par message le nom de la chaîne, j'aimerais voir. Après. Ah non. Attends, je vais te dire. Non. C'est Coco, genre non, non, C-O-C-O. C'est gênant, c'est gênant. Et Liner, L-I-N-E-R, comme un liner. Oh, d'accord. Ok. T'as géré sa mère. Franchement, Miro, c'est ma mère. C'est qui a choisi pour... C'est toi, non? Oui. C'était quoi déjà? Non, c'était moi. Mais non, c'est. Non, mais c'est moi. C'est moi qui te dis un truc à toi et toi tu dis. Donc, j'ai choisi pour Marie en fait que. Enfin, c'est pas très crédible, mais. Donc, en gros, tu viens de te fighter avec un mec. Ouais, ce matin, j'ai mis un mec qui m'a mal parlé dans ma classe, je lui ai mis une pêche et tout. Bref, je me suis frappée. Et après, du coup, bah, t'es allé dans le bureau de ton proviseur et il veut m'exclure 3 jours et je vais appeler ma cousine en disant, ouais, parce qu'elle connaît mes parents, vu que c'est ma cousine. Je lui dis, ouais, je fais comment pour annoncer à mes parents et tout. C'est cher bien. Tu joues bien, hein. Ouais, ouais. En plus, elle habite à la campagne, y'aurait pas de raison. Allô? Bébé, ça va? Oui, ça va? Ouais, en gros, je t'explique. Matin, il y a un mec qui m'a cher mal parlé dans ma classe. Et tu me connais, je suis un peu impulsive. Et en gros, on s'est frappé, quoi. Moi, je lui ai mis une pêche. Oui, et en gros, je suis exclue 3 jours du lycée, meuf. Je fais comment pour dire ça à mon père? T'es malade. Mais meuf, t'es exclue 3 jours du lycée? Oui. Ça mais meuf, je l'ai frappé, le mec. Je me suis jetée sur lui. En fait, le truc, c'est que vu que c'est moi qui me suis jeté sur lui, bah on prend tous les 2-3 jours d'exclusion, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est. Enfin. Direct, le prof, il a pas cherché à comprendre, quoi. Ton père, il va pas comprendre? Moi, j'ai pas été exclu 3 jours de cours, putain. Mon père, il va pas comprendre du tout. Il a commencé à s'approcher de toi. Meuf, je l'ai fait saigner du nez, hein. Je lui ai mis une pêche dans le nez. Ouais, mais. Il est parti à l'hosto après, lui, hein. Lui, il est parti à l'infirmerie et tout, hein. Moi, j'ai rien eu, hein, mais lui, il est parti à l'infirmerie, hein. Au pire, il s'est approché de toi, genre, grave. Et t'as pris peur alors tu l'as mis un pain, enfin je sais pas. Mais c'était un gag. Désolée Léa, c'est
c'est moi, c'est pour ma vidéo, c'était un gage. Désolée meuf, t'as eu peur ou pas? T'étais pas bien? Mais... Non mais t'as été grave gentille d'être là pour mais moi. Mais oui, trop chou. Dis bonjour aux abonnés. Franchement, t'as géré. Hein. Ouais, moi j'y crois. Bravo. C'est à toi tout, Jeanne, ouais. Et Jeanne, tu vas devoir dire à une pote... Ouais. Pourquoi elle a fait courir des rumeurs ouais, sur toi? Ouais, en gros, je dois dire, ouais, c'est ça. Oh, mais c'est chaud, je peux pas. Je vais pas. Non, mais vraiment, parce qu'autant je me foutais de votre gueule, mais moi je suis absolument nulle, vraiment. Oh, c'est Marina. Je te passe par là, je te fais plein de bisous. Je suis bisous, Marina. Désolée, je suis vraiment désolée à l'avance. Marina. Je peux pas. Ouais, allô meuf. Non, mais. Je suis désolée, meuf, mais je suis grave vénère là. Enfin, en gros, je savais pas si je devais t'appeler, mais en gros, là, j'ai vu Clara à midi. Enfin, franchement, tu m'as grave déçue. Enfin, genre, je comprends pas. Enfin, franchement, je suis grave dégoûtée. Enfin, t'as un problème avec moi ou pas? Enfin, je sais pas. Excuse-moi, je vois que tu me fais et... Non, mais meuf, je suis sérieuse, là, en fait. Je comprends pas, je suis choquée. Genre, à midi, je vois Clara, elle me fait, ouais, Marina, elle dit que t'es genre grave hypocrite et tout, genre, je sais pas, enfin... Bah, si, je sais. Oui, oui. Mais, oui, meuf, je suis sérieuse. Non, mais, n'importe quoi. Mais genre, je suis grave énervée, en vrai. Oui, mais t'es pas vénère. Mais meuf, en fait, je t'explique, enfin, je comprends pas. Clara, genre, je fais, mais meuf, t'as pas dit ça, Marina, elle fait, mais si, tout. Ça, c'est... Elle a rien à faire dans l'histoire, elle s'en fout, Clara, pourquoi elle m'aurait dit ça alors? Je sais, mais là, tu vois ton petit père, t'as à moitié en train de bricoler. Je suis désolée. Marina, t'as gâché la vidéo. Je suis désolée, Marina, c'était un canular, putain. Non mais elle m'a fait... Franchement je suis nulle, mais vraiment, vous pouvez le dire, je suis trop nulle. C'est Marina qui te connaît bien. Je suis désolée, c'est pour ma vidéo, Marina. Non mais j'étais pas crédible, j'arrivais pas. Je t'aime. Donc c'était lequel le meilleur? Bah ouais, j'avoue, dites-nous en commentaire lequel vous pensez que c'est le meilleur. Mais bon, déjà je sais que c'est pas moi, hein, y a pas de problème. Moi je pense que c'est Adrien franchement, c'est parce que c'était... Il a géré. En plus, elle était en couple déjà. Ouais. Elle avait son mec à côté. Ouais, je crois. Alors qu'il a déclaré sa femme. Elle te l'a dit, hein, bon, elle oui, a fait, il y a un mec en fait à côté. C'est grave chaud. Grave. En plus, comme on est super proche, et ben. Ouais, putain, c'est chaud. Bref. Ouais, pause bleu. Hein. pause bleu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Et bien sûr, je vous dis. Merci.